Il y a peut-être quelque chose qui t'intrigue depuis que tu as commencé à étudier le théorème binomial, c'est le fait qu'on utilise des combinaisons pour calculer les coefficients binomiaux. Hein Quel lien y a-t-il entre cet outil mathématique qu'on a appris complètement ailleurs et les coefficients euh, binomiaux qu'on obtient lorsqu'on développe une expression du type x plus y à la puissance n Alors ici j'ai pris un exemple avec n est égal à 5 et j'ai réécrit x plus y à la puissance 5 en le décomposant euh, avec euh, x plus y que je multiplie euh, 5 fois euh, par lui-même, et j'ai utilisé un code couleur pour différencier chacun de ces x plus y. Et tu vas voir que ça, ça va m'aider à t'expliquer, à te réexpliquer le processus de comment est-ce qu'on obtient chaque terme lorsqu'on développe x plus y à la puissance 5. En fait, il s'agit de parcourir un chemin, de partir de jaune, et d'aller jusqu'à rouge en allant à travers chaque, chacune de ces couleurs, et de à chaque fois faire un choix entre x et y. Donc par exemple, ce que je pourrais faire, c'est à chaque fois choisir x. Je prends x jaune, x vert, x bleu, x violet et x rouge, et je les multiplie tous entre eux, et ça, ça me donne un terme possible. Et d'ailleurs, ça me donne x puissance 5. Et il n'y a qu'une manière d'obtenir x puissance 5, c'est de à chaque fois choisir x. Et c'est pour ça que j'ai un coefficient de 1 devant le x puissance 5. Alors maintenant du coup je vais essayer de t'expliquer comment on fait pour obtenir ce coefficient de 10 devant euh, le, le, le terme x cube y carré. Alors pour cela il faut imaginer que je vais appliquer ce processus que je viens de t'expliquer et c'est comme avoir 5 emplacements ici que je vais remplir avec des x et des y et pour obtenir un x cube y carré tu es d'accord avec moi que je dois remplir deux de ces emplacements avec un y et euh, tout ce qui reste par des x. Et voilà comment je vais procéder. Donc je vais choisir d'abord mes y, et j'ai envie d'avoir un y vert, par exemple, et un y violet. Et par défaut, tout ce qui reste, je mets des x. Et c'est comme ça que j'obtiens un terme possible en x cube fois y carré. Bon, là j'ai choisi vert et violet. Ça c'est une des possibilités parmi les 10 que j'ai. Je vais t'en montrer une autre. Par exemple, j'aurais pu choisir jaune et vert. Jaune vert et après le reste et eh bien par défaut je remplis les boîtes avec un x et à chaque fois ça me donne un résultat évidemment qui est x cube y carré dans ce cas là, dans ce cas là et dans les dix autres manières qu'il y a de choisir de y alors ce processus là maintenant je pense que tu, euh, tu vois où je veux en venir et eh bien c'est le processus qu'on applique à chaque fois qu'on fait des combinaisons, c'est comme choisir euh, deux boules parmi cinq boules possibles, sans remise dans la boîte et où l'ordre ne compte pas. Et voilà, je vais t'expliquer maintenant comment ça marche. Donc, il faut imaginer que tu as un panier avec des, des boules, donc euh, où j'ai cinq boules. J'ai, je mets tous mes y possibles, parmi lesquels je peux choisir, dans ce panier. J'ai une boule jaune, une boule verte, une boule bleue, une boule violette et une boule rouge. Et ce processus que je viens d'appliquer juste avant, eh bien, il équivaut à D'abord choisir un premier Y euh, parmi les 5 possibilités. Est-ce que je vais prendre un jaune, un bleu, euh, un vert, un violet ou un rouge Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai 5 possibilités. Donc, il y a 5 manières possibles de choisir mon premier Y. Donc, je vais retenir ce 5. Ensuite, une fois que j'ai choisi ce Y, eh bien, je ne le remets pas dans le panier. Donc, pour le deuxième Y que je vais choisir, il me reste combien de possibilités 4. Donc, je vais faire 5 j'ai 5 fois 4 manières en tout de choisir 2y. Et alors, 5 fois 4, tu me diras que ça ne fait pas 10, le résultat est de 20, mais c'est normal, parce que pour obtenir mon résultat final, je dois diviser par factoriel 2. Pourquoi Parce que l'ordre dans lequel je choisis mes y, le fait d'avoir pris par exemple ici vert d'abord, puis violet après, c'est exactement la même chose, j'obtiens exactement le même résultat que de choisir d'abord violet. Puis vert. Donc tu vois que l'ordre dans lequel je choisis mes boules ne compte pas. C'est pour ça que je divise par ce facteur-là de, euh, de factoriel 2. Et ça, effectivement, ça me donne 10. Et ce résultat, c'est ce résultat, bien exactement la même chose que 2 parmi 5. 2 parmi 5 ici, qui est euh, le, le, la puissance à laquelle je porte y. Donc le nombre de y que je vais prendre. Euh, dans, mon, dans mon panier, parmi 5, 5 qui est la puissance à laquelle j'ai porté mon binôme à la base et qui est le nombre de y parmi lesquels je peux choisir quand euh, je forme mon, euh, mon x cube fois y carré. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre le lien entre ces coefficients binomiaux et euh, le processus. De, de tirage de boules sans remise et où l'ordre ne compte pas, qui, est, euh, qui équivaut au calcul de faire une, une, une combinaison.